tu te fous déjà le bordel? Moi, tu te calmes maintenant? Parce que t'es toujours comme ça le matin, parce que là, ça va pas le faire, moi. Moi, j'ai bien trop peinard, quoi. Mais en plus, qu'est-ce qui t'énerve comme ça, quoi? Laisse-moi, c'est pas ton problème. Sur les murs que ça ira mieux. Alors si tu comptes rester ici, t'as intérêt à te faire plus discret. Parce que si on se fait repérer, on va se retrouver à la rue. Mais moi je l'ai bien cet hôpital, tu comprends? C'est chez moi ici, c'est chez moi. J'ai ma vie moi ici. Ça, une vie? Tu vois, les deux gus, des potes, quoi. À chaque fois on les amène quelque part, leur truc, c'est de balancer leurs chaussures dans les arbres. Voilà, forcément, le lendemain, quand ils devaient se pointer pour jouer, évidemment, ils n'avaient pas de chaussures. Donc, moi, je leur ai proposé. Mais tu sais pas ce qu'ils me disent. Alors, à ce moment-là, le Père Noël descend dans la cheminée, se crame le cul, et on lui recoue la tête avec du fil dentaire. En fait, tu t'en fous de ma vie, tu t'en fous de ce que je te dis, là. Alors, tu sais quoi? Je vais te coucher, là. Oh, c'est pas vrai. Oh, il m'énerve. Tiens, regarde. Tu sais quoi? On va se boire un beau café. Ça va nous calmer. Tiens, regarde. Allez, dis-moi ce qui va pas, là. J'en peux plus, je sais pas comment m'en sortir. Mais tu veux te sortir de quoi? De ça, je veux retrouver ma vie d'avant, je comprends pas. J'ai bossé toute ma vie, tout bien fait, marché dans les clous, voté comme il faut. Et du jour au lendemain, compression de personnel, tout ça pour engrosser les actionnaires, je suis viré. Plus un sou, j'ai plus un sou. Là-dessus, j'ai ma baraque, je la rembourse, ma femme a pas supporté la situation. M'a viré, foutu dehors, je peux même plus voir mes enfants. Putain, la vie est une pute, j'en ai ras-le-bol. Mais tu vois, t'as bien fait de te faire chier à trimer toute ta vie, toi. Tu te retrouves au même point que moi, qui n'ai jamais bossé. Ah, t'es là? Ben oui, je reviens du ravitaillement. Comment t'arrives à trouver tout ça? C'est pas compliqué, regarde cette chemise là, c'est la débrouille. Alors cette chemise, je l'ai trouvée à l'étage. Tu te sers. Non, mais d'accord, mais la thune, t'as pas une thune pour acheter de la bouffe. L'argent, nous y voilà l'argent. Vous n'avez que ce mot à la bouche.
C'est avec ça que tu vis, c'est avec ça que tu respires, c'est avec ça que tu manges, l'argent. Mais t'as rien compris. On s'en fout de l'argent. On s'en fout complètement. Ça détruit tout, l'argent. Ça détruit tout. L'amitié, la vie, la nature. Viens voir où ça nous mène, l'argent. Mais viens voir où ça nous mène. Viens voir. Voilà où ça mène. Voilà, voilà où ça mène. Regarde-moi ça, ça. Voilà où ça mène. Là. Là. Là, regarde. La paix. Décédée. La paix. Décédée. La paix. Regarde. Là. Avocate. Décédée, l'avocate. Décédée. Voilà. Journaliste. Décédée. Institutrice. Décédée. Si. Comédienne. Décédée. Là. La femme de ménage. Décédée. Hein? Biologiste, décédé le biologiste. Et lui, charpentier, décédé aussi. Riche, mort. Voilà. Pauvre, mort. On est tous pareils. On finit seul. Toujours tout seul. Tout à l'heure, j'étais là-haut, j'ai trouvé un t-shirt, j'ai trouvé un pantalon, j'ai même trouvé une radio. Non, tu déconnes. Il y a une radio là-haut. Il n'y a pas d'électricité. Je vais pas essayer. Hein. Allez, à pile. Mais t'as essayé peut-être qu'elle marche. Vas-y, c'est. Allez. Laisse ça. Mais ça, waouh, c'est trop bon, ça déchire, laisse ça. À finir le mois et vous voulez quand même manger, Sophie est là pour vous.
Même chez nous, ils nous font chier avec ses pubs et ses taux d'emprunt. Tu sais quoi, à propos du taux d'emprunt, les taux se resserrent, les taux se resserrent. By my side, oh.